Spirit, where are you going? Parce que spirituellement parlant, tu es lié. If you're spirit, il avec ça là où tu es. Then go. Where are you going? Ça n'a rien à voir de Dieu. C'est comme si un oiseau en cage. It's like vous le déplacez d'Abidjan, envoyez à New York. C'est à New York. Mais l'emprisonner à New York. Bird from Abidjan to New York. The same situation. The bird is in here in jail. La Maison Blanche, mais le oiseau en cage à la Maison Blanche. Tu comprends plus. Là où les amis prospèrent, j'ai l'impression que c'est ici. C'est ici les gens viennent et puis ils ont l'argent. People come here and then they are rich. Toi t'as des problèmes. But you have problems. C'est pire que Abidjan. It's worse than Abidjan. Tu dis non, c'est pas parce que je fais pas comme les autres. So, so no, I'm doing like the other people having too many boyfriends or boy girlfriends. This will become really difficult for you. Tu as besoin de délivrance. You need délivrance. Amen, amen. Tu as besoin de délivrance. You need délivrance. Tu as quelqu'un qui a besoin de délivrance. Tu as un talent, tu sais que tu es bien, très intelligent, tu as tous les diplômes, tu as tous les diplômes. Tout. On dit voici l'homme qu'il faut pour l'entreprise. Non, c'est toi qu'on cherchait. Tu dis le lendemain, on dit non. Vous avez déposé vos services. Monsieur, c'est moyen là. J'ai un cravate. Le président. Ah, malade, quelqu'un. J'ai un cravate. J'ai un cravate pour la vie. Il y a quoi? Tu te souviens, moi? Tu cherches un peu de l'énergie. Tu es Mexique. Parce que tu n'es pas délivré. It's simply because you're not delivered. Ton travail est fermé. The job is closed. Tu ne peux pas avoir le travail tant que tu ne passes pas par la délivrance. Until tu ne peux pas travailler. Ils s'en fichent des diplômes, s'en fichent. Vas-y, si tu veux mettre l'argent. Et toutes les connaissances, mais zéro. Every kind of knowledge. Parce que le spirituel est lié. The spiritual is tied. Ok, je m'en vais à l'église. I'm going to the church. Ça ne suffit pas. This is not sufficient. Amen. Tu dois prendre conscience. You have to become aware. Quelque chose ne va pas. Something that something et is aller not vers l'homme de Dieu pour te faire délivrer. By the man of God. La femme était à l'église. The woman was in the church. Elle n'était pas délivrée. But she was not delivered. Elle a fait 18 ans. She spent 18 years. On l'enseignait la parole de Dieu. But she was sans la délivrer. God's word. Les gens sont dans les églises, on les enseigne, on dit donc tout soit des messages, mais on ne les délivre pas. C'est ce qui a choqué Jésus. Il constate que dans une église, une femme est là, et puis elle est un problème. Elle est reçue, elle est privée de la gloire de Dieu. Les gens sont à l'église, ils perdent leur dîme, ils font tout ce qu'il faut faire pour avoir l'estime du pasteur. Ils envoient l'argent, l'autre chose au pasteur, everything. À la forme du pasteur, on les nettoie l'église. Mais, ça, mais personne ne pense à toi. Comment tu vas sortir de la situation? How can you get out from that situation? On ne te défait pas de la situation. Oh, la chose est là. Tant qu'on ne te délivre pas, tu seras encore toujours le même problème. Donc d'abord une prise de conscience. J'ai un problème. C'est moi qui vis la chose. C'est pas le pasteur, c'est toi qui vis la chose. C'est pas le prophète, c'est toi qui vis la chose. Je viens placer pour t'élever. C'est toi qui dois t'élever. You have to stand. Amen. Amen. Or si ça ne dit rien à l'homme de Dieu, c'est que lui-même a un problème. Celui qui est béni, et les fidèles ne sont pas bénis. Il doit se poser une question. On est édifié parce que nos fidèles sont bénis. We are really et bien nous bénis. Because our followers are blessed. Ma fille n'a pas béni. Mais bien quoi, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Une personne est bénie, t'as pas bien écrit. When someone is blessed, you don't have to cry. C'est elle qui court pour venir à l'église. C'est une question de conviction. Elle est bénie, t'as pas besoin de crier. Bon, elle n'est pas venue, c'est qu'elle a un problème. Qu'est-ce que tu fais pour résoudre le problème? C'est toi qui vis ta chose. Donc, quand
quand ça ne va pas, ne dis pas que le pasteur me voit. Non, c'est toi qui vis ta chose. C'est toi qui vis la chose. C'est toi qui l'aimes. Pour résoudre le problème. Aller dans un endroit bien précis. Où on peut te comprendre. Et te comprendre. Parce que tu es l'aimes. Amen. Pour que quelqu'un qui a pris les balles perdues, il vit avec les balles là-bas. Encore. Pendant des années. Mais ça va la fatiguer, ça va fatiguer la personne. Parce que c'est un corps étranger quand même. Il faut exprès. Il faut enlever. C'est ça. Tant que tu vois la chose dans ta vie, ce lien-là, il sera difficile pour toi de rentrer dans les dimensions de bénédiction. Amen. Tu dois aller te faire délivrer. Il faut qu'on brise ce lien. T'empêche de te marier. Il faut qu'on brise ce lien qui t'empêche de rentrer dans la richesse. Tu vas beau monter ta société, ça va tomber en fait. Parce que quand tu regardes le village, tu es dans la lignée des personnes qui sont esclaves dans ton village. Il y a des gens dans leur village qui sont des esclaves de la famille. Dans le village, c'est la classe des esclaves. C'est pour ça que c'est important de connaître votre histoire. Quand vous, oui, parce que nous faisons partie des peuples guerriers. Quand vous regardez la conquête des terres, c'est pas là. On cherche un peu et puis on prend la terre. Et donc quand on prend la terre, le peuple qu'on trouve là, on fait des esclaves. Ils sont à nos services. Au fil du temps, on se mélange. Mais on connaît les familles. On dit, oh oui, cette famille-là, elle est propriétaire terrien. Cette famille-là. Et sur ça, c'est important de connaître ton histoire. Parce que ton histoire va te suivre. Ou bien un village a été bâti sur le fétiche. Ou même là où il y a des choses où on ne doit pas réussir en ville. Et si tu es sur de ces villages-là, la chose va te suivre partout. Que Dieu nous aide. Amen. 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 Que Dieu nous aide. Tu regardes. Il n'y a pas des hommes qui ont reçu dans le village. Nobody. Celui qui l'a reçu, il est vigile devant son côté. C'est un vigile. Il a deux tisses. Chicotte noire. La vie t'est mis jaune, pantalon vert. C'est lui seul. On est fonctionnel. Il fait quoi qu'il travaille? Il gâche son conseil. Petit chicotte, matraque noire, chemise jaune, il y a quoi la veste? La galon bleu, pantalon vert, à blanc dedans. Tu le regardes, quel salaire? Il a 45 000. C'est ça qu'il a mis. As a salary, can the person find? Did he get a promise? Je suis à l'église, vous avez l'histoire de la dame qui était même à l'église. Elle a fait 18 ans à l'église. Elle était possédée. Je chante à l'église. Mais rien ne va. Tu ne vois rien à l'horizon, rien. Et on te fait espérer. Et quand on est délivré, c'est le coup de soulagement. Les choses doivent venir. Parce que tu sens le besoin. Tu sens le besoin de te marier. Il faut que tu envoies un mari. Il faut que tu envoies une femme. God must bring sinon, you with wine tu es lié. Or husband. Parce que tu sens le besoin. If not, you die. Que Dieu nous aide. May God bless us. On a besoin d'être délivré. We need to be delivered. Amen. Amen. C'est parce que tu n'es pas délivré. It's simply because you're not delivered. Dans cette situation. That you're living in that situation. C'est permis. On te voit physiquement. We can see you physically. L'intérieur sur le plan spirituel. But spiritually. Tu es dans une prison. You're in a jail. Tu es dans une prison. You are in a jail. Tu ne peux pas. You don't pray. Tu ne peux pas. You cannot. Tout est bloqué. Everything is stopped. C'est pas les prêts qui changeront ça. No, you're crying. Et pleurer, ça ne changera rien. Praying, la seule chose qu'il faut, c'est de t'élever et d'aller te faire délivrer. Donc ça, je comprends les gens qui prennent des avions pour venir. That's why I do appreciate people who take plenty of time here and meeting. On s'élève. Il nous faut frapper la bonne porte. Look at the right door. Il ne faut pas échouer. You don't need to fail.
Tu t'as pas créé pour échouer. God didn't create you to fail. Non. No. Amen. Amen. C'est vrai que le diable a travaillé dans ta vie. En te fermant certaines choses. Mais toi, but you, tu dois t'élever. Il y a ta part. Amen. Where is your part? Il y a ta part. Dieu te regardera en face. Where is your part? Qu'est-ce que tu as fait? What did you do? À l'image de Bartimée. Qui s'est levé. Bartimée s'est levé. Pendant que les gens l'empêchaient de crier. Tais-toi Bartimée. Jésus n'a rien. Appelle-toi, tais-toi. Jesus has nothing. Il dit moi. Il est malade ou bien. Ah, je qu'est-ce qu'il a fait? God cried until Jesus heard me. Plus il criait, the more he was crying, plus il interpellait Jésus. But et Jésus s'est arrêté. Jesus pour lui dire, viens. Say, come here. Les gens mettent en pression. Ils disent, ça va aller. Prevent you and pas say, parce que c'est everything will be all right. Because it's not the time. Tu brûles. Ton être essaie de convaincu. You know that you are really. Tu dois pas faire cette position. But you don't stay in that position. Que Dieu vous aide. May God help us. Amen. Amen. Il faut que tu sois délivré. You need to be delivered. On a besoin de délivrance. When we need, c'est quelqu'un Dieu met sur nos chemins. God brings someone on our way. Vous brisez les chaînes de la captivité. To break the chains of captivity. Qu'on est lié. C'est quelqu'un Dieu on me dira. God will break someone. Vous brisez les chaînes. To break the chains. Of captivity. Ta part, your part, c'est de t'élever. It's to stand. Il est important. It's really important to stand. C'est ta part, ça. That is your part. Tu comprends qu'on a un problème. Understand that we have. Je m'en fous de la sérénité. I'm fed up. Je suis à l'église, mais ça m'est rien dit. Quel est l'impact du Christ sur toi? But what is? Ça fait quoi? Aller à l'église, ça fait quoi chez toi? What is the problem? Tu allais à l'église, tu en as des amis, mais qu'est-ce que ça produit? Ton témoignage, c'est quoi? Zéro. What is your testimony? Nothing. Ah, tu vas à l'église. Ah, tu vas à l'église. Faut lire Matthieu. Le païen vient de donner un verset. Faut lire Matthieu. Even the pagan can give you. Lis Matthieu. T'as pas encore lu Matthieu sur le sénat. Lis Matthieu, ça va aller. If you read Matthieu. Regarde maintenant, dis lis Matthieu. Comment est-ce qu'un païen vient de donner un verset? Est-ce qu'il voit? Even the pagan can give you. Ce dont il a besoin. C'est ton témoignage. What it is? It's your testimony. Ah, tu crois pas qu'il va aller, il va aller marquer des baptêmes. Vas-y ça. J'ai pas la langue. Elle dégage. Comment tu es qu'à des baptêmes? Qu'est-ce que l'église t'a apporté? What did it bring? What did the church bring to you? Qu'est-ce que l'église a fait? What did the church do? L'église, ça fait quoi? Si Jésus ne délivre pas, Jesus didn't deliver. Il n'y avait pas de chrétien aujourd'hui. Ça, je vous dis ça. Je suis devenu chrétien parce que Jésus. I became a Christian because. Je peux venir m'asseoir à l'église, m'asseoir, vous dire non. Je suis assis. C'est parce qu'il y a des problèmes. Non, je suis chrétien, c'est que je suis. Je suis peut-être pas à l'église, je suis diacre, je suis ancien de l'église. I'm head of the church. Ça veut rien dit. This is nothing. Quand on regarde ta vie, ça ne dit rien aux gens. Amen. Your life. Ta vie doit rendre des témoignages. Ta vie doit être un témoignage à la gloire de Dieu. C'est toi qui vas à l'église. C'est toi qui coudes derrière le païen pour lui demander l'argent. Running after pagans. C'est toi qui es toujours humilié. Always humiliated. C'est toi qui n'as pas l'argent. You don't have money. Oh, tu pries le Dieu à qui appartient l'or et l'argent. Et toi, tu es privé de cette richesse. How can you be private from that? Celui qui donne Marie, celui que tu pries, the woman's giving. Et toi, tu es privé de tout ça. You a besoin d'être délivré. From this situation. You need to be delivered. C'est pour ça que je n'accepte pas la maladie. That's why I don't accept. Amen. Parce que c'est un faux démon. Because it's a very bad demon. Jésus a vaincu la maladie à la croix. Jesus overcame the devil on the cross, the sickness on the cross. Il nous a sauvés à la croix. He saved us on the cross. Jésus a détruit la maladie à la croix. He destroyed the sickness on the cross. Pour nous sauver. Just to save us. Si tu restes tranquille, tu ne bouges pas. La maladie va te tuer. If you don't move, the sickness will. Non, c'est qu'il suit. Chez nous, on a attention. C'est vaincu au nom de Jésus. Amen. Chez nous, attention. Chez Jésus, n'avez pas attention. Amen. Oh, Jesus, tu es de la lumière d'Abraham. From. Chez nous, là, c'est la maladie qu'on a. Chez nous, c'est la Bible. Amen. Il y a des choses qui doivent plus t'arriver. For us, it is the pourquoi? Parce qu'il faut que tu sois délivré et que Dieu mette la différence entre toi
with your family. Il doit y avoir une différence. There must be a difference. Lui, c'est débat. Toi, tu as déjà la solution à ton problème. Already have a solution. Parce que Dieu te reconnaît, t'as déjà délivré. God recognize. C'est ton témoignage qui attire les gens à Jésus. And your testimony. Parce que tu es les gens. Not because you have a very big Bible. Elle est dorée. Ça ne dit rien au voisin. Nothing. Si tu as une grosse Bible que tu vas faire marcher chez le voisin. Bible. Voisin demande qui mange. Voisin demande qui blessé. Voisin demande des kilos de riz. Bois d'aliments aussi. Even box of matches. Un peu de charbon. Rice. Charcoal. Quand tu as dit au voisin, Jésus est bon, va fermer le portail. If you say Jesus is good, he is closed. Et ferme le portail. Il dit, c'est toi, mais Jésus. Va chercher Jésus. C'est toi qui vas chercher Jésus. You have to go and check, look Amen. For Jesus. Amen. Your testimony. Je suis à l'église, ok? L'église a fait church. But what did the church do for you? L'église ne te délivre pas. L'église va délivrer. Jésus était choqué. Jesus was really shocked to see. Il restait pendant 18 ans. Moms for 18 years. Et quand Jésus l'a délivré, les gens commençaient à murmurer. Donc non, ici chez nous, on ne délivre pas, mais c'est la parole. La parole ne peut pas vous délivrer. Vous connaîtrez la vérité, elle va vous affranchir, ok? Mais les liens, ce n'est pas la parole, c'est quelqu'un Dieu mettra pour se délivrer. God will bring someone to deliver you. Tu es dans la chorale, tu chantes, tu es responsable. Responsible. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? But what is the change in your life? Qu'est-ce que ça change dans ta vie? Que Dieu nous aide. May God help us. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. May God help us. Que Dieu nous aide à délivrer. May God help us. Pray que tu sois délivré. Brother, you need. Et pour être délivré, il faut comprendre que sur toi tu as besoin d'être délivré. You have to understand that. Et tu dois t'élever et chercher la délivrance. Oui, la délivrance, c'est des ailes. Tu dois chercher la délivrance. And look for your délivrance. Si on te dit ça à divorce, prends ton avion et viens à divorce. Even if you were living in Baltimore. They say you have to take a plane and be and come here. On s'assoit pas. You don't have to stay. Sinon tu vas mourir. Il y a des gens qui sont morts sans être délivrés. People will have that. Ils sont morts sans être délivrés. Delivered. Ils se disent ça va aller, mais combien de temps? They used to say. C'est quand? Everything will be alright. Toi tu sais combien de temps tu vivras sur la terre? Tu connais le nombre de jours sur la terre? Do you know how many times will you live on the earth? On ne s'assoit pas, c'est l'air. We don't stay down. Pour régler le problème. We still not. Sans ce moment-là, Dieu viendra. Il mettra quelqu'un pour quelqu'un sorti. And God will bring. Et regarde les filles qui sont venues dessus. Look up. Après, on va dire non, c'est l'église. Non, c'est là-bas, délivre. Je m'en fous si c'est l'église. Allons-y, allons-y, délivre. Let's go and be delivered. On n'a pas dit non, on va à la mosquée. Non. I didn't say, no, we're Muslims. We go to the mosque. C'est là-bas, tu vas mettre la tête là-bas. Ils vont te manger. J'aime bien le dos rouge. Martin, t'es là, il me dit, bah, t'as tes os en main. Il dit, il croit ça. Tes os, un enfant. Amen. Elles se sont livrées depuis la Suède. Jésus qui les a délivrées. Parce qu'elles sentaient les besoins. Elles sont délivrées. Non, moi, je suis une ancienne. Tu es ancienne, ta vie a changé comment? Je suis un elder, mais quelle est la change dans ta vie? Que Dieu nous aide. May God help us. Si tu ne te lèves pas, tu vas mourir sans délivrer. Tu vas mourir de cette situation. Tu mourras. You'll die from that situation. C'est un débat. Let's stand up. Et nous demandons au Seigneur de nous délivrer. And ask the Lord to deliver. Qui vient délivrer ce matin? Who would like to be delivered this morning? Who wants to be delivered? Même si je vais délivrer. Even so, brother. Si je ne veux plus s'envoler, comme bonbon. Allez manger. Alléluia. Qui vient délivrer? Who wants to be delivered? Alléluia. Nous allons prier. Dieu veut te délivrer ce matin. Qui va te délivrer tout le monde de toi? Nous allons lever les mains. Et tu vas prier. Let's our hands up. Demandons au Seigneur d'agir. Prions. On ouvre la bouche. Open the mouth. On ouvre la bouche. Open the mouth. On ouvre la bouche. Open the mouth. Je vais voir tout le monde prier. Ouvre la bouche, je prie. Ouvre la bouche. Open the mouth and pray. Dis à Dieu, voici ma situation. This is God. This is voici ce qui ne va pas dans ma vie. This is God. Voici ce qui ne va pas dans ma vie. Voici ce qui ne va pas dans ma vie. This is not wrong in my life. Voici ce qui ne va pas. Open the mouth. Open the mouth.
Votre voyage a été bloqué par la sorcellerie. Your travel has been blocked by witchcraft. Depuis le village. Since the village. Et ça fait que vous tournez en rond. And that's you're turning around. Le voyage est bloqué. The wedding is stopped. Dieu veut encore agir dans ta vie. God wants to act in your life. Dieu veut se manifester dans votre vie. The light will free you. La puissance de Jésus-Christ. The power of Jesus Christ. Veut encore life. Délivrer de cette situation qui nous a été. Chaque fois c'est l'échec dans le mariage. Chaque fois failing, quand il y a un problème de mariage, wedding, ça échoue. Ce matin, yes, la puissance de Dieu va te délivrer. Il dit d'abord bon. Je te répondrai. Jésus veut te délivrer. Oui. Je prie les chaînes. Je détruis le pouvoir satanique sur ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame ta délivrance ce matin. Et tu t'es sorti de cette situation. Le diable a échoué sur la terre. Je déclare que le diable a échoué. Une onction spéciale vient sur toi. Is coming to you. Et Dieu te fait entrer dans le mariage. Une onction spéciale. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Les chaînes. Je voulais enlever tout ce qui est sur moi. Hein? Parce que... Enlever tout ce qui est sur toi.
like. Mais va dans les ordures et tu jettes. Je sens que Dieu peut faire tout. C'est pas bon. Eh, tu es toujours quelqu'un. Lève-toi, je suis quelqu'un de bête. Tu n'es pas comme si j'étais bête. Tu fais quoi sur ce banc? What are you doing here? Je suis un esprit d'un vaudou. T'es un sorcier alors. Come on, hey! Come on! Come on! Fire! Je suis dans le corps de la fille. J'ai pris son bras. Je veux qu'elle travaille avec moi parce que l'esprit de Dieu est plus fort que moi. Toi, tu es trop fort! Comment tu as fait que je me suis maquillée comme ma fille? Comment tu as fait? Tous les pas, j'ai parcouru partout dans les églises. Personne n'a vu. Que tu es sorti, quelle est sorcière, c'est ça? Elle n'est pas sorcière, c'est moi, je l'ai initié. Dans le vaudou. Son papa dans la manger. Chaque jour, il poussait sa bouche, sa tête. Elle était malade, pourrie partout. Je l'ai trouvé de tous les esprits et j'ai invoqué pour moi dedans. Je l'ai tâché, c'est pas machin. Allez, commence. Il est sorcellerie. Esprit de la sorcellerie. Puissance de la sorcellerie. Puissance de la sorcellerie. Power of witchcraft. Fais sur toi. Fire on me. Non, toi, tu es trop fort. Le feu. Puissance de la sorcellerie. Vous êtes des chats de vaudou. Je vois plus clair que vous tous. J'ai peut-être des sorciers de loin. J'ai vu que dans le corps de la fille, elle ne voit jamais rien. Parce qu'elle a quitté mon église, elle a failli l'annoncer sort. Ils sont de la sorcellerie. Elle n'est pas morte, elle est sa fille. Elle est de la chance. Ils sont de la sorcellerie. Tu as coupé mon serpent là. Tu as coupé mon serpent qui est là. Puissance de la sorcellerie. Puissance de la sorcellerie. Puissance de la sorcellerie. Fire! 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 Your knees down. I don't know.
un sens à la source de Jésus. J'ai détruit ton pouvoir. Maintenant, la puissance qui est dans le nom de Jésus. La puissance qui est dans le nom de Jésus. Et comment tu les as tués? How did he kill them? Il me transforme. I change. Je rentre et puis je les tue. Il me transforme. Bouge trop, t'as des tics. Et puis il rentre dans le corps. Tu te transformes en quoi? Tu rentres dans le corps. I can change. Il me transforme en hibou. Et puis il rentre dans le corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Quand il me transforme, je rentre dans le corps. Je me transforme et puis je rentre dans le corps. Et puis il est tué.
Les mots sont en train de venir pour les tuer. Tu peux sortir venir pour les tuer. Maintenant, tu es combien 17? Oui. Tu as gâté qui? J'ai gâté le ministère de ma mère. Elle faisait quoi? Elle servait Dieu? Elle servait Dieu. Comment tu as gâté son ministère? J'ai gâté en prenant sa vision. Ça veut dire quoi? La victoire, so by taking a vision. C'est que Dieu l'a mort. Comment tu as eu à prendre ta gâté ça? How did you do it? Oui, je l'ai arraché. Hein? Je l'ai arraché. Comment? Comment? Elle était couchée. Puis je suis venue. Parle dans le micro. Elle était couchée. Et puis je suis venue prendre cette vision. Mais comment elle peut être couchée, tu prends les vieux? C'est lunettes ou bien? C'est lunettes. T'as pris ça comment? Je l'ai arraché. Comment? Je l'ai arraché sur ses ennemis. Oui, mais elle est chrétienne. Elle est dans le ministère. Comment tu as eu à comme ça dans le ministère? J'ai pris en sorcellerie. Mais comment? But how? Tu as reçu à prendre. How did you succeed? J'ai reçu à prendre parce que ma maman, elle est. J'ai reçu à prendre. Il y a tu as pris. Comment? Tu as pris quoi? Mais quelque chose, on dit que c'est Dieu qui a donné. Et puis toi, tu as réussi à prendre ça. Hey, comment tu as fait? Il y avait quoi? Elle a fait quoi? Puis tu as pris ça. On dit que c'est Dieu qui a donné. Et puis toi, tu prends ça. Elle n'a rien fait. Et puis comme ça? Ce jour-là, elle est en colère. Ou elle avait fait quoi? Elle n'était pas en colère. Mais comment toi tu peux prendre le chemin de Dieu à donner? Comment est le micro là? Non, ça veut dire que tu peux prendre pour moi? Non. Ça veut dire que tu peux prendre pour moi? Je ne peux pas prendre pour toi. Mais pourquoi c'est pour ta maman là tu as pris? Why did you take your... Il y a deux façons. Okay. Si quelqu'un a l'esprit de Dieu, que tu vois qu'il a l'esprit de Dieu, il ne peut pas. Donc ta maman n'a pas l'esprit de Dieu. You cannot reach it. C'est pas trop ça. Ça veut dire quoi? C'est ça que je veux que tu expliques. C'est pas trop ça là, c'est ce que tu veux. Your mind doesn't have that vision. The spirit. A vision was. I wanted to be more explicit. On vend de prendre. J'ai pris selon que je voulais. Avant de prendre, tu as fait quel travail? What did you do? J'ai prononcé des paroles. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? What happened after? Je l'ai arraché. Simplement comme ça. Tu avais déjà fait quel travail dans la vie de ta mère? What kind of job? J'ai gardé le ministère de ma maman. Tu as mis par là, honte. Il y a un prophète chez nous là. Je l'ai maintenant en parlant. C'est tout. Donc c'est l'élément sur lequel tu t'es basé pour agir, pour gâter. Parce que s'il n'y a pas là, c'est une porte. Between, tu as profité, tu as gâté. N'est-ce pas? In the church. Je ne voulais pas qu'elle s'entendait le prophète. Où tu mettais les histoires. C'est pour cela que je les ai mis en parlant. Tu as des choix à prendre. Et puis Et tu as gâté, à part ta maman, tu as gâté qui? Apart from your mother. À part ma maman, il y a mes deux grandes soeurs, j'ai gâté les enfants. Elder sisters. Où sont? Ils sont à Abidjan. Tu as gâté. Comment tu as fait? Ils me transportent. Et je rentre dans les vents. Et les tombe. Mon éveil, l'enfantement est dans l'enfantement. Tu rentres dans le ventre du channel. Tu as fait quoi? Il y a mes deux grands frères, un qui chante. Il a pris sa cassette. Il a pris cassette là, il a mis ça dans le canari. Il
Et puis à mon grand frère, il jouait au ballon. Il a pris son ballon pour aller mettre aux Canaries. Tu ne vas plus devenir footballeur, tu ne vas plus devenir chanteur, c'est ça? Tu n'as plus encore. Voilà ce qu'il dit. Elle séparait le prophète et Mahomet. On a déjà entendu ça. Merci. La jumelle, là, son mariage. Là. Ah, tu as jumelle. C'est ta jumelle. Là. Bien. L'autre est plus jolie que toi. Jumelle, mais elle est jolie que toi. Toi, tu penses que ton temps de défrayer les gens, ta figure d'un monstre. Mais si tes frères, quelqu'un t'a donné monstre, tu as pris quoi? Il a pris son mariage. Tu m'as envoyé où? Le wedding. Tu m'as envoyé dans le camp de la société. Pourquoi? Quand ta femme est mariée, laisse les gens. If you don't want to get married, you have to leave her alone. Tu n'es pas marié. Il en mérite. Est-ce qu'on te dit non, ma mère, ça va? Non, tu n'as pas réglé, tu n'as pas répondu à ma question. Souvent on te dit, en plus ça se gâte. Est-ce que tu es fiancé? Et tu as gardé ça dans un canari? Et réponds dans ta bouche. Oui. Oui, si. Il n'est pas bien qu'à répondre. C'est moi qui cherchais. C'est comme les voiles ici.